La société d'aménagement Znata a lancé à Casablanca son premier lotissement immobilier au sein de la zone résidentielle de l'écocité Znata, dont les projets sont développés et commercialisés par le groupe Mfoddel El Aqariya. Après avoir finalisé tous les travaux d'infrastructure relatifs aux travaux d'assainissement et l'amener d'eau potable, l'électrification de l'écocité Znata, et après avoir également réalisé tous les travaux d'infrastructure routière qui permettent un bon aboutissement et l'accessibilité facile au territoire de l'écocité Znata, la société d'aménagement Znata lance aujourd'hui son premier lotissement immobilier. Ce lancement intervient après que le premier quartier résidentiel de 70 hectares de l'écocité Znata, situé à moins de 400 mètres de la mer et comprenant un parc de 600 hectares, ait étoffé son offre par l'inauguration en juin d'un parcours sportif de plus de 5 km de circuit linéaire pour le jogging et le vélo et du premier terrain de basketball, né d'un partenariat avec l'Agence française de développement et la National Basketball Association. On est présent sur Casablanca, donc le groupe il est présent sur Casablanca et aussi sur Darbouza. Et là, on s'implante, Inch'Allah Marahim, sur Znata. On est parmi les premiers promoteurs immobiliers qui accompagnent la société d'aménagement Znata, Inch'Allah Marahim, pour son développement. Le projet est composé de deux types d'appartements. Donc on va être sur du 2 pièces salon et 3 pièces salon, sur des superficies qui sont bien optimisées. Donc. Les logements seront équipés de la fibre optique et de compteurs numériques. Un circuit piéton et cyclable est également disponible. Alliance parfaite entre l'agréable cadre de vie, le bien-être individuel et familial, ainsi que la diversité des services de proximité, le quartier résidentiel de Znata est résolument conçu pour assurer le bien-être de ses habitants. En chiffres,